the vermilion bird, wings of fire to lift the heart. The white tiger, steely arms by which to seize knowledge. The azure dragon, unclouded eyes that see all beneath the sky. The black tortoise, a rigid shield and a well-guarded blade. But when nine and nine meet nine, Tempest Phoenix shall be wounded upon you. For without the Agita, their world, called Orient, must persist in its spiral. Well, this sucks.
Where'd these rats crawl out from? Sucks. Who are you?
this sucks. Where'd these rats crawl out from? We join with the survivors. Our goal is to occupy the building.
Our goal is to occupy the building. Is this the power of a Lassif? Call.
You don't have to tell me. Yeah. Going somewhere? This sucks. Who are you people? Those red cloaks. No way. Ninetale is down! Communication lost with Kunmi! Impossible! What's going on out there? The Vermilion Bird Crystal is fully restored. Magic readings in all sectors. Wait, point 68. A Lassie? A Vermilion Bird Lassie! I've lost contact with the 204th and 208th. Get our men out of there! Attention all units in Dominion territory! Halt all military operations, and withdraw at once! Retreat! Retreat! Send HQ a code 991. We're transitioning to Operation Northern Dawn. Sir! To come this far just to be turned back. 6 hours into the operation, Rubrum's Agito Cadet Class Zero achieved its objective, and the Dominion succeeded in taking back its territory. It was here that Class Zero made its first mark in the pages of history. Misfortune has befallen Academia. And the Dominion at large.
The Militesi Empire has broken the quadripartite Crystal States Pact, which was forged through the courage and wisdom of our forebearers. Because of this deplorable, gravely unwarranted, and unforgivable breach of faith, we have all lost many friends and loved ones. And yet, here I stand before you, proof that your strength of heart, your pure and noble desire to protect our beloved Rubrum and the Vermilion Bird Crystal was strong enough to win academia back from our enemy. I wish to express my heartfelt gratitude to the valiant warriors who accomplished this great feat. However, we must also not forget those who fell in this terrible battle. We shall drive out the Militesi forces that still unlawfully occupy our territories and liberate our villages, cities, and citizens that continue to suffer at the hands of the Empire. Rubrum is not in this alone. All of Oriens must confront this challenge. I hope that you will all remember this as a new... Chancellor! Anathemic readings in Lorca! What? One day, historians may refer to this as Tempus Finis. Nonsense. This is not the beginning of the end. It is the first ray of hope, one that we've brought forth. In 842 RG, an Ultima bomb, powerful enough to obliterate an entire continent, was dropped on the Black Peristylium in Lorica. In the blink of an eye, the Lorican Alliance, which had stood proud for 700 years, was completely erased from the continent of Oriens. Raise the Vermilion Banner. Fearing an attack with a second Ultima Bomb, the Kingdom of Concordia, home to the Azure Peristylium, began defending the airspace over its territory and that of the Dominion of Rubrum. Concerned the war might spread to other nations, Concordia sought an immediate cessation of hostilities, but was rejected outright by the Dominion of Rubrum. Alors là, vous avez certainement pas dû m'entendre depuis le début parce que j'ai mal branché ma prise jack. Merde. With large portions of land occupied by the Empire, the Dominion was reluctant to accept a ceasefire. No Gaming, si tu continues, salut à toi, hein, parce que j'ai pas dû... The Consortium of Eight, Rubrum's supreme ruling council, spent several et donc là, je sens bien à fond dans mon casque. Et ça fait qu'une demi-heure qu'on attendait. Allez, courage. With our forces' current state, do you really believe we can defeat the Empire in a full-scale conflict? We'll have to abandon our outer territories and focus on defending the capital and retaking key strategic areas. We can make up for our disadvantage in numbers with the sea. The Empire already unleashed the sea on us during this invasion. We're lucky that it wasn't a Primus.
If they want to throw dirt at us, I say we just throw it right back at them. My, you quite the sense of humor. Do you really think a lessee would accede to the wishes of the consortium? Why not? The Vermilion Bird Crystal was attacked by an enemy lessee. It was put in danger. There's no way that its lessee could refuse to aid us in this situation. And if the lessee operated by that logic, you might actually have a point. Only the Vermilion Bird Crystal. Ça fait tout bizarre de refaire le, bah, de continuer bah, le live ce soir. Je peux vous dire que aujourd'hui j'ai fait le tournage d'une émission. Might I offer a suggestion? Qui était quand même assez mouvementé, hein, sans pas le dire. J'ai pas précisé en début vidéo, mais bon, c'est pas grave. Can we create more soldiers with the same magic technology used to create them? Qu'est-ce que c'est encore que cette... You can't simply repeat what I've done with the children. Ah non, si c'est celle auquel on a eu affaire, là je me jure. Dr. Aracia, have you learned anything about the crystal jammer? Very little, I'm afraid. I can say with certainty, though, that no human could operate the jammer. It would take a lessee. However, my scanners haven't detected any major disruptions since Lorica's little disappearing act. Based on the data, I believe that something has happened to the lessee, and the jammer is inoperable. Even if that's true, do you have an actual plan to get us out of this current mess? Just deploy the cadets. Hmm? I believe that is the best way to turn the tide of battle. Without compromising our defenses. Undeniably, the Agito cadets would make for a potent implement of war, but... Would it not be seen as an expansion of the role of those defending the Peristylium? Now, if the sea won't help us, what choice do we have? Very well. Shall we defer to the Chancellor's judgment? The Dominion's very existence is in peril. Effectivement, je votais, mais bon, c'est cinématique quand même. Hein, je sais, si vous m'entendez pas pendant un certain moment. Very well, then. Shall we make it official? Place à la fontaine. Ah, et donc ici on revient. Je sais pas si c'est le. Je pense que ça doit être le décor qu'on avait avant, mais cette fois-ci qui a été réparé. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, bienvenue à vous, la classe 0. Les rumeurs étaient donc vraies. Spirant Cap. Une raclée, oh mon dieu, le langage. À la compagnie du tigre blanc. Je suis cadre de la classe 1. Ok. Non, la classe 0 n'est donc une légende. Eh non. Vous devez d'abord aller à l'amphi 0 pour avoir un. Et de votre commandant, vous serez des élèves officiers à part entière. Ok. Pour vous rendre à Amphizeron, entrez. Continuez et prenez. Première porte à gauche. Une carte.
putain de campus, ça c'est... Et vous perdez... Elle vous guidera, ok. Une fois que vous aurez parlé à votre commandant dans l'Amphi Zéro, vous serez officiellement des aspirants d'Academia. L'Academia, pardon. Je sais que vous allez être très occupés, donc voyons tout cela ensemble. J'ai la réaction possible. Alors, on est dans le hall là. Ah ouais, d'accord. Première porte gauche. Donc je viens de là. Ça va être celle-là, je crois. Si je me trompe pas. Te voilà, Ace. Je t'attendais, mon chéri. Ah ouais, d'accord, c'était bien là. Avant que tu n'intègres officiellement à la classe 0, il y a quelque chose que je voulais te dire. D'accord. De nouveaux élèves ont rejoint la classe 0 et ils portent la même cape que vous, mais c'est tout ce que vous avez en commun. Ok. Je sais que tu récoltes l'anima comme je te l'ai... appris, et c'est très bien. Les nouveaux vous aideront à collecter l'anima. Par contre, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ça, c'est pas cool, par contre. Et je préfère qu'ils ne le sachent pas. Bon, c'est comme tu auras voulu, mec. Tu sais que peu sont capables de collecter l'anima, et que ceux-là sont soit de la classe 0, soit du département de la magie. Plus important encore, parmi ces personnes, très peu savent ce qu'est réellement l'anima. Oh, ces nouveaux élèves officiers vont donc rejoindre à la classe 0. Par contre, ils resteront dans le flou quant à la nature de l'anima. Et même s'ils vont être tes camarades de classe, vos chemins ne se croiseront pas. Ok. Il n'y a que vous, mes doux amours, qui... C'est vraiment... Ne l'oubliez jamais. Ok. On découvre les salles. All right, let's cut through the formalities. I am now your commanding officer, Kurosame. Commanding officer? Yes. As of this moment, you are under my command. The authorization came directly from Arch-Sorceress Aracia Alracia. From Mother? Hey. Take a hike, yo. We only take orders from Mother. Got it? You're not wanted here, yo. Oh, yeah. Ça a fait mal, là. Ouch.
You son of a bitch! That hurt! That's enough! Pesez-moi, grand aussi. This guy is pretty tough. Oh la vache! Not for long! He said it was Mother's decision. Are you saying you won't follow Mother's orders? Satisfied? Good. Henceforth, you will execute Dominion missions under my command. When you have no assignment, you will live here, at Academia, with the other cadets. On campus? Yes. We never had to do that before. Why start now? Does that come from Mother, too? Yes. Those are Dr. Horatia's orders. Also, Cadet Machina, Cadet Rem, enter. Two new cadets have been assigned to Class Zero, starting today. Machina Kunigiri. Hello. Rem Tokimiya. Nice to meet you. Let me guess. Chaperones? Your time is yours until you receive further orders. I have high hopes for you. May the crystal guide you. Good to see you again. Thanks for the assist the other day. Yeah. Thanks so much for helping us out. Seriously, though, I can't believe Class Zero is real. Why, my friends and I were sure yourselves were just one of Academia's urban legends now we were. And you're so powerful. Just three of you took down a Lassie. Oh, which reminds me. Why were you able to use your weapon? Mission dans 6 heures. Bon, j'espère que ça sera pas trop long, 6 heures, parce que si c'est 6 heures, le temps, bah, à minuit, on est pas couché. Sont vraiment incroyables, non? Ok. Wait, let me introduce myself, Kubo. Starting today, I'll be relaying mission information and instructions from the Dominion. I am the Military Operation Organization and Guidance Logistics Expert. Moogle for short, Kubo. Some prefer to call me the Military Operation Guide, or Mog, Kubo. You can call me whatever you want. I hope to be of service, Kubo. Whatever I want? How about... Moglin! 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 Lin! No, Kubo. No, Lin, Kubo. But besides, I do have a proper name, Kubo. What is it? Atsumine Lotayosna Iriborchi, Kubo. That's too hard. Moglin's good enough. Good enough? Kubo. Elle peut vivre ici maintenant. Vous rendre au cimetière, sortez porte là-bas, traverse et traversez le jardin que pour bon. La libération de beaucoup d'hommes et de femmes sont ont donné leur vie. Remercie. Rendez d'abord hommage au passé avant de commencer à penser à l'avenir. Mission dans 6 heures.
Eh ben, avec ça, on n'est pas en mieux, hein. How may I enlighten you? What? Ouais, c'était quoi ce monstre de malade qu'on a affronté, hein? What is this place? It's called a cemetery. What's a cemetery? Here we carve the names of the fallen, so their legacies may live on. Because we are unable to retain memories of those who die before us. But I heard that the crystal removes our memories to help us, so that the living will be tied down to the dead. That's why we leave our knowing tag behind before we go to battle. As proof that we live. If no one comes to pick up a tag, it means that person died. Then that name is engraved here. As the name of someone who died. J'ai trois quarts d'heure, ouais, je trouve ça passe vite. I always make sure to write down the names of everyone that I meet. Or go out on a mission with. Then after a mission, I check to see if there are any names I don't recognize. If there are names there that I don't remember, then I come here and look for the people I once knew. But I still can't remember them. Qu'ils étaient occupés, ils sont partis se recueillir sur une bombe. Réalisez que par personnage précis, vous pouvez changer de personnage. Si vous ne contrôlez pas le perso qui pour un objectif, vous aurez sur celui. Ce n'est éveillé. Je veux bien, mais... En cas de mission imminente, l'état-major donne ses ordres et vous parle et vous partez sur le champ. Bon, bien entendu. D'ici là, vous êtes parfaitement libre d'utiliser votre temps comme bon vous semble. Votre commandant vous préviendra lorsque votre mission est imminente. Il vous expliquera vos ordres et vous pourrez aller combattre. Lorsque vous avez hâte de commencer mission, allez voir l'état-major. Il fera sorte. Prêt à partir au plus vite. Confirmer future mission que par an. Cela vous permettra de connaître le niveau de difficulté et si vous n'avez pas encore le niveau, entraînez-vous que par an. Si vous vous sentez perdu à Academia, je peux vous guider puisque vous êtes et vous fichiez, vous pouvez utiliser le portail du hall. Explorer l'académie. Et ensuite, j'aurai un cadeau spécial. Pour
pour vous. Bon, j'ai pas tout très bien compris. Et n'ayez pas peur de... Avec le respirant que bon... Fois que vous aurez, que vous en aurez vu beaucoup sur les, avec les colonies, je vous donnerai un cadeau. Je suis sûr que vous allez faire ici. Alors, là on a quelque chose. I don't believe we've met before. My name is Deuce. King. Aria. What? Aria. So, your name is Aria? Bah, pas très rassuré, la peau. Bon bah s'il est 6, c'est dans 6 heures. What's this? It's a relic terminal, Kubao. A what? Relic. An artifact shrouded in mystery. Said to be born of the Vermilion Bird Crystal. I've heard it has the power to manipulate time and space. That's according to some legends, Kubao. In the Dominion, we sync them with magic and use them for data input and communication, Kubao. You can save your data. And such, Kubao. If I'm not mistaken, cadets can do all of that with the naturally occurring relics all over the world. That's right, Kubao. If you find one, you should check it out, Kubao. Et ça, je vais pouvoir sauvegarder. Voilà. Donc, on revient ici. Alors, maintenant que la réunion avec votre commandant est terminée, vous êtes officiellement l'officier d'accueil. L'installation à votre disposition. Le portail au centre vous transporte à plusieurs endroits, le département, l'arsenal, la cathédrale, salon, la terrasse et l'écurie. Chocobo, ok. Ah, d'ailleurs, le docteur vous attend dans son bureau. Passez à voir quand vous pouvez, d'accord. Cette porte mène à l'état-major. Fournira des informations importantes sur... Si on pensait y aller souvent. Conservez les informations importantes pour les aspirants. Près de l'entrée, vous trouverez... L'archive 20 millions de ses personnels, conseils de combat, les renseignements. En cas de besoin, n'hésitez pas à consulter les archives 20 millions. Arsenal. Mmh.
isn't the time to check. C'est donc ici qu'ils font. Je ne tiens jamais de régie. Il s'agit du... Arsenal... Chargeon. J'ai de nouveau dit... Pouvoir d'un... Il ne faut pas sous-estimer... Ok... Qui c'est que je Alors, on va retourner dans le hall. On va aller voir un peu par là. Thank you.
Bon bah, c'est qu'on a toujours pas de mission. Et j'aimerais bien en avoir, moi. Si vos adversaires. Désolé si je parle pas. Good work. Je vais être à la classe 0. Je m'appelle qui? Attends, sur des opérations à grande échelle. Je peux faire en sorte d'aller au plus vite. Allez, une mission. On y va. Oh, I have a special message on my comm. Special message? Yes. It appears that the Moogle is calling us all to a meeting. So let's go back to the classroom and ask the Moogle what it's about. Yes. And, what's a comm again? Oh, it was the name of the communicator that was issued to us. Crystal Oriented Messaging Medium is what the letters in comm stand for, or so I'm told. Ok. Non. Dans l'amphi 0. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Non. Merde. C'est où l'amphi 0? Non. J'ai bien fait de mettre I'm busy. Please make it quick. Hi. Help you. Thank you.
How may I enlighten you? Chou là déjà. C'est où l'amphi zéro? Mince. Faites-vous dans l'amphi zéro. Le route avant d'aborder la mission, je dois vous expliquer quelque chose, si besoin. Je tiens à accomplir pour accomplir vos missions. Faire le choix avant. Allez dans réglage, puis sélectionner. Et pour accomplir une mission d'arrêt. Merci, je vais. Les opérations. Après avoir perdu. C'est situé dans le. Les hommes aujourd'hui. La classe 0 prend part à l'opération pour connaître sa première expérience de combat réel. Ok. Dirigez-vous dans un premier temps vers l'entrée. Puis rendez-vous à la zone où se déroule la mission. Ok. Une fois celle-ci accomplie, vous pouvez disposer. Ok, c'est parti. Ready for this? Okay, let's go. Ouais, elle est où la bataille là? Bien bon, mais. Ah! Par là. L'entrée. I'm rooting for you. Good luck. Good luck to you. Coupa!
votre première sortie, copain. Ok. N'oubliez pas que le seul moyen de participer activement au combat. Je sens mal d'avoir le. Si vous apprendrez beaucoup de. Chérie. On verra ça un peu plus tard. Oui, j'ai pas le choix. Hein. Ça fait déjà 1h15 qu'on région de Rebrun. Par contre, là, la caméra est plus éloignée. Oui. Ice. Non. Et voilà. Oui. J'aime bien les films, moi. Voulez-vous recevoir les... Oui. Allez, c'est parti. Abandonnez mission. Vous pouvez recommencer. Sinon, pour ouvrir le menu. Parfait, les objets. Bon, c'est les points de compétence. Beginning mission. Victor. Hop là. Voilà. Voilà. Passe. Là, vous continuez à chaque fois tout droit. D'accord. Aïe.
Hop là. Comme ça. Mais... C'est pas plein de vie là. Ah la vache. Voilà. D'accord. Oh putain, merde. C'est qu'un mec de... Oh putain, il est là. Action possible à gauche. Ah, faut que je monte certainement. Le feu, ça pourrait être utile. Par ici. Par ici certainement, yes. Toi. Mettre dans le feu, c'est pas le but. J'ai plus de merde. Allez. Et la bataille continue. Aïe. Allez, relève-toi. Ok. Non. Yes. Oui. Ça c'est bien. Écoutez, alors je peux pas si... Je sais pas si...
J'aurais peut-être dû se garder avant. Parce que là, je suis un peu piégé, là. Allez, vas-y, détruis-moi ça. Merde. Ah, fais chier. Tu vas m'attaquer, cette horreur. Ah, mais là, je peux rien faire, en fait. De la vie plutôt qu'autre chose. Mais là, je ne peux vraiment rien faire en fait, je suis dans la louise là. Ah ben, je suis en train de perdre de la vie, là. Saloperie. Ouais, mais c'est que je dois aller maintenant. Ils ont terminé. Ok. Et maintenant, c'est pas mal. Bon bah écoutez les mecs, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Donc oui, on va se garder et puis on va s'arrêter là. Il y aura quand même eu des personnes qui ont... Alors voilà. J'ai bien avancé dans le jeu quand même, je trouve. J'ai pas mal, bien avancé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Normalement, demain, je dois voir qui veut gagner des millions qui sort. Bon, j'ai une musique là que je vais mettre en ligne. Mais sinon, je dois avoir une émission qui veut gagner des millions qui doit sortir assez rapidement. Très très rapidement. Sur ce, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Très vite la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Retourne à grand titre, oui. Merci d'avoir été là pour. J'ai pas beaucoup parlé, hein. En même temps, faut dire que je prends pas vraiment en compte que je suis en live, donc. Bon, moi, vous pourrez profiter avec moi. Et si j'ai besoin d'aide, je n'ai pas demandé bien évidemment dans le chat. Sur ce, moi je vous retrouve. Là, j'ai vraiment fait plus d'une heure. C'est vrai que là, serait temps que je fasse. Serait temps que je me calme sur le gaming et tout ça. Donc, surtout que j'ai passé un tournage très lourd, si on peut le dire.
Bon, pas trop mal non plus, mais bon, voilà, c'est... Sur ce, bah moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous dis... à ciao tout le monde.